Dans un monde où toutes les valeurs sont inversées, où l'existence n'a plus aucun sens, certains individus ont décidé d'ôter la vie tandis que d'autres rêvent de la perdre. Chaîne de vie. Comme vous le savez, vous avez été recruté par la SANA pour une expérience scientifique de haut niveau. Vous allez participer à un speed dating. Vous allez poser des questions, vous allez avoir des réponses, je vais appuyer sur le petit poutouniou. Personne ne rigole, ok? D'accord. Allez-y. Et toi, c'est quoi ta mort préférée, du coup? Moi, ce serait une mort à la Félix Faure. C'est quoi qui t'intéresse? C'est la mort ou l'idée de souffrir énormément? T'as déjà participé à ce genre de programme ou... Oui, et toi? Pardon. On change de place. Le docteur Patel a eu l'idée de les faire se rencontrer. Mais alors, combien de fois tu t'es déjà fait tuer au bout du compte? Alors on est sur une agonie, plutôt une agonie de 2 minutes, de 15 minutes, une demi-heure, on voit ça comment? Mais tu veux me tuer, c'est pour me faire mourir? Et elle a fondé avec son beau-frère, le docteur Orr, la ZANA, dont le programme officiel est de créer un espace de non-droit où les individus, en quête de meurtre, sont libres d'ôter la vie de ceux qui n'en veulent plus. Cet espace, eh bien, c'est l'espace justement. Le docteur Patel embarque donc avec ses 6 premiers candidats, ainsi que les 6 clones du docteur Orr, à bord du cyclone. Pression stratosphérique, check. Système aérospatiaux à propulsion atomique, check. Rétro-laser en action, check. Mais virez-moi ce clone! Contrairement à ce qu'elle clame au monde entier, le docteur Patel n'est pas le gentil facilitateur d'assassinat qu'elle prétend. Ses véritables objectifs sont ailleurs. Elle va pratiquer des expérimentations secrètes sur ses passagers dans le but d'améliorer ses clones. En effet, Orr 2, le pilote, est malvoyant. Orr 3, notre radio, est malentendant. Orr 3 ? Orr 3 ? Orr 4, le clone d'entretien, est mal touchant. Orr 5, le cuisinier, est mal sentant. Orr 6, notre sommelier, est mal goûtant. Et enfin, Orr 1, l'assistant du docteur Patel, est mal parlant. Enfin, il a juste un léger défaut de prononciation. Non, taisez-vous, Orr 1, il ne se passera rien entre nous.
Vous me faites rire, mais malgré votre humour ravageur et votre petit accent exotique, je ne peux pas vous épouser. Et moi ? De quoi aurais-je l'air si je m'appelais le docteur Patel Orin ? De toute façon, ma vie entière est dédiée à la réussite de cette mission scientifique. Et moi, moi. Vous avez raison, Orin. Restons discrets. Il ne se doute de rien. Ma vie a pris un sens nouveau. Moi aussi, ça me tue d'être si près de toi sans pouvoir te... Je crois que je t'aime à en mourir. Oh bah non, pas déjà. J'ai envie de toi. Je crève d'envie de te... Pierre Daniel. Lui-même. Doigt. Aïe, ça fait mal. J'aime bien. Pascal Georges, prise de sang. Pourquoi une prise de sang, là? C'est pour vérifier le taux d'azote biprotodique. Faudrait quand même pas qu'on attrape la mort. Charlotte Petit-Jean. Fond d'œil. Voilà. Victor Laurent, s'il vous plaît. Stéthoscope. Approchez-vous un petit peu. Merci. Bruno Robert. Tournez-vous. Ah, tu veux savoir ce que je fous dans ce vaisseau? Ah oui. Toi, je peux te le dire à toi. Eh ben, tu vois, ça fait 30 ans. Pendant 30 ans, je me suis occupé des autres. Et puis, ben, un jour, il m'arrivait un truc à moi et il n'y avait plus personne. Alors là, j'ai décidé d'en finir. Puis, j'ai pas eu les poils aux pattes. Alors, quand j'ai vu la pub pour le programme de la Zana, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis inscrit tout de suite. Tu me comprends, toi, hein? Mais tu vois, même là, je suis pas sûr que je vais aller jusqu'au bout. Mais quel est le clone qui a appuyé sur ce bouton? Merci. Moi aussi, Orin, moi aussi. Qui c'est qui va me tuer maintenant? Bon. Orin, faites-moi disparaître ce corps dans le caisson de désintégration moléculaire. We'll be right back.
Tibidibidi. Grusgevoy. Bien. Mais c'est fâcheux. Cela remet en cause tout le projet. Comment remplacer ce sujet pour rééquilibrer l'expérience? Oh, eh, ah, oh, ah, eh, oh, ah, ah. Ne me faites pas rire, Aurin. Ce n'est pas le moment. Comment? Un intrus dans la salle des machines? Amenez-le. Grusgebrusch, traitier. Tibidibidi, pitipitipi. Un spatio-migrant. Vous tombez à pic. On vous garde. Patox va vous présenter votre binôme. Il vous expliquera ce que vous avez à faire. Cela résout tous nos problèmes, Aurin. Oh, hein, oh. Ah, tu t'en sors toujours. Oh, Zana. Mais pendant que les expériences se poursuivent tant bien que mal, à bord du cyclone, l'espace en a décidé autrement. Nous avons croisé une zone de flux neutronique inversé. Avis sur cyclone, alerte, alerte! Nous traversons un champ de flux neutronique inversé. Attention, le flux est fort, ça va secouer, ça va secouer! On va tous mourir! On va tous mourir! Oh non! Un réacteur est endommagé, mais le pilote a réussi à planétir en urgence. Le docteur Patel et Or 1 décident d'aller voir à l'extérieur comment ça se passe. On va emmener Pascal Georges. Il a un taux de bicarbonate iodé fortement en baisse. Ça va le requinquer. Et puis, ils sont revenus. Thank you.